Il se trouve que dans le parcours qui était le mien, je travaillais dans le domaine en lien avec les collectivités locales. Et une opportunité s'est présentée de mettre ces compétences-là au service d'une fonction d'attaché parlementaire. C'était un choix que j'avais jamais imaginé. Ça fait partie des occasions qui se présentent dans un parcours professionnel. Donc j'ai saisi cette occasion-là. Je ne le regrette pas, puisque ça m'a amené à découvrir, d'une part, le domaine parlementaire, la construction de la loi. Et je vais découvrir, en fait, le champ du social et du médico-social à travers l'élaboration de projets de loi tels que l'APA, les lois de 2002. La loi de 2005, donc les lois liées au handicap et les grandes lois qui fondent aujourd'hui le médico-social. Donc un bilan de compétences m'a permis de valider une idée que j'avais déjà, à savoir l'intérêt pour revenir dans un métier peut-être plus opérationnel, et puis d'aller explorer un nouveau champ qui était celui du social, médico-social. Là, je fais le constat que j'ai par contre un déficit d'expérience professionnelle. J'ai de l'expérience professionnelle, mais pas dans le domaine que je veux atteindre. Et quand on a un déficit d'expérience professionnelle vis-à-vis d'un employeur, bah, il faut, je pense, compenser par un diplôme, mais pas seulement un diplôme, il faut aussi, je pense, un niveau de qualification qu'apporte une formation de type master ou master 2. Et donc voilà, je suis rentré donc en formation. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu suivre cette formation tout en restant en emploi. Alors là, vive les 35 heures, parce que c'est vrai que les RTT m'ont aidé à ça, la bienveillance de l'employeur aussi, d'autant que l'UBO avait cette souplesse-là de me permettre de faire le Master 2, donc moi je suis rentré directement en deuxième année, mais de le faire en 2 ans. Donc voilà, j'ai fait la formation, et puis ben, dans le droit fil, j'ai commencé à chercher du boulot. J'ai eu quelques opportunités et qui ont confirmé que les choix que j'avais faits n'étaient pas faux, puisque la qualification à compenser dans une bonne mesure le déficit d'expérience professionnelle. Je ne l'ai pas dit, hein, je suis attaché de direction dans un établissement pour enfants handicapés. On sent qu'il y a une écoute et une envie de l'université de s'ouvrir au monde de l'entreprise, alors quel qu'il soit. Ici, on est dans le champ du médico-social et du non lucratif, mais on est quand même une entreprise sociale, mais entreprise quand même. Et oui, je suis. Visiblement, l'université aujourd'hui souhaite aller, enfin, s'ouvrir à ça, et je suis convaincu qu'elle a un rôle à y jouer, oui, c'est clair.